الرحمن الرحيم. Le serment de vendredi intitulé La paix avec l'âme et l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Allah appelle à la demeure de la paix et guide qu'il vous vers un droit chemin. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que notre maître, le prophète Mohammed, est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent digne rectitude jusqu'au dernier jour. La paix est une sublime valeur humaine que notre pure religion se soucie d'ancrer. Notre religion est la religion de la paix. Notre prophète est le prophète de la paix. Notre salutation est la paix. Le paradis est la demeure de la paix. La salutation des gens de paradis est la paix. Les anges les saluent par la paix. Donc Allah, gloire à lui, dit: « Oh, vous croyez entrer intégralement dans la paix, c'est-à-dire l'islam, et ne suivez pas les pas des diables, il est pour vous un ennemi déclaré. » Il dit également « Elles auront la demeure de la paix auprès de leur Seigneur. » Il dit également « Dans lequel leur salutation est la paix. » Et Allah, gloire à lui, dit aussi « De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux, paix sur vous pour ce que vous avez enduré. » Comme est bonne votre demeure finale. C'est en raison de la grandeur et de l'honneur de la paix qu'Allah, gloire à lui, son attribut pour l'un de ses noms le plus sublime. Il dit, c'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à lui, il transcende en ce qu'ils associent. Parmi les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, c'est toi la paix, c'est de toi la paix, gloire à toi, oh celui qui détient la grandeur et l'honneur. » En islam, la paix est globale. Le vrai musulman est tolérant avec soi-même, vit en véritable paix avec sa famille et ses siens, ses voisins, ses amis et avec tout le monde. Notre prophète, salut bénédiction sur lui, dit « Le musulman est celui dont de la langue et de la main les gens sont sécurisés. » Il dit également « Par Allah, il n'est pas croyant trois fois. » On interrogea « C'est qui, ô messager d'Allah ?» Le prophète de répondre, si c'est lui dans les nuisances, les voisins, le voisin n'est pas à l'abri. Interrogé au sujet d'une femme qui observe le jeûne et veille qu'il tue le mot la nuit, alors qu'elle nuit véritablement à ses voisins, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, elle est dépourvue de tout bien, elle sera dans l'enfer. Donc l'essentiel, c'est la paix. On affirme que cette paix n'est à se réaliser que par des âmes pures et gouvernées par des sublimes, valeurs nobles humaines et de foi. On en cite le fait que l'homme soit pur au fond et qu'en apparence, pas question de double face. Le prophète Salih Bendouxon sur lui dit « Vous trouverez que le plus méchant est celui de double face. » Il se tourne à un groupe d'une face et à d'une autre face, c'est-à-dire qu'il est hypocrite. On en cite également le fait d'aimer le bien pour tous les humains, d'être clément, affectueux, doux, facile et amical. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aucun parmi vous n'est un vrai croyant à moins qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il faut être une clé de bien et un bouchon de mal. » Le prophète salim sur lui dit, parmi les gens, il y a des clés du bien et des bouchons du mal. Il y a aussi des clés du mal et des bouchons du bien. Bien heureux et donc consacré à celui à qui est qu'il est de bien, à qui Allah accorde les clés du bien, et malheureux à qui détiennent les clés du mal. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à faire le bien et à apporter le bien à tout le monde. Il y ajoute le fait que chacun soit conscient du droit
de l'autre dans une vie honorable, stable et sécurisée. Allah, gloire à lui, créa les gens différents. Il dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il faut croire qu'il y a des acquis communs, humains et unanimes par toutes les législations célestes. Si on s'engage, règne l'apaisement, la sérénité, la stabilité et la paix intérieure et communautaire parmi les membres de la société. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier de prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Le musulman vit en paix avec tout l'univers, ne nuit à l'animal, n'incendie aucune plante, n'habille aucun arbre, ni fruit, et les constructeurs, donateurs, et les bien détestent le mal. Il cherche à construire et évite de détruire, de saboter ou de corrompre sur la terre. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en crée cette paix cosmopolite. Elle était effectivement une miséricorde pour l'humanité entière. Allah, gloire à lui, dit, et nous t'avons envoyé que pour miséricorde à l'humanité entière. Cela se manifeste lorsque le prophète, salut bénédiction sur lui, entra dans une palmeraie d'un des Ansars. Il tomba sur un chameau. Lorsque ce chameau vit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux se larmoyèrent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essuya sur sa tête. Le chameau se calma. Le prophète, salut bénédiction sur lui, interrogea, c'est à qui ce chameau? Un homme des Ansars répondit, c'est à moi, au messager d'Allah. Le prophète de répondre, aie piété envers Allah dans cette bête qu'Allah t'accorda. Il se plaint à moi que tu le laisses afin et le torture. Comme si bien que l'homme vit en paix avec soi-même, avec sa famille, ses siens, ses voisins, ses amis, ses collègues, une paix avec la société et avec tout le cosmos. Ô Allah, fais-nous parmi les gens de la paix et fais-nous entrer par ta miséricorde dans le paradis, demeure de la paix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr. Kamal Gadal.